Salut, salut! Bienvenue sur ce stream surprise hors série. J'ai même changé de catégorie pour ce soir parce qu'on va peut-être faire plus du dev que que de l'admin 6. Salut à toi, Haribo! Puisque l'idée, et j'avais émis l'idée déjà lors de précédent stream, eh bien, ça va être de se faire un petit chatbot. On va vouloir se faire un petit chatbot ce soir. D'ailleurs, j'ai pris un peu de temps. Alors, attendez, parce que comme d'habitude... Hop, voilà, je voulais juste m'assurer que le fauteuil est assez haut. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il a tendance à descendre un petit peu tout seul. C'est un peu la blague. Toujours est-il que... ouais, c'est un peu à l'arrache ce soir. C'était pas forcément prévu. Vu que mes horaires de stream habituels cette semaine ne pourront pas être honorés, comme je l'avais dit dans le stream d'hier. J'hésitais à faire un petit stream surprise, bah finalement c'est déjà ce soir. Et donc dans les streams précédents, je me disais oh, ça pourrait être sympa d'avoir effectivement certains effets de son, d'avoir un chatbot pour certains trucs. Et bah, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Donc voilà, ça va être l'objectif de ce soir. Et pour préparer entre guillemets le stream, pour éviter de vraiment être en mode rien dans les poches, en fait j'ai fait une petite VM qui, je l'espère, va pouvoir servir. Voili voilou. J'ai même créé du coup aussi un deuxième compte Twitch pour le robot. Alors il se trouve que certains Twitchers francophones tech qui ont déjà un robot, je pense bah, notamment à Yves Rougy en particulier, qui a appelé son robot Marvin. Et en fait, moi, Marvin, c'est le nom de ma machine qui fait Labo Réseau. Donc j'allais pas appeler mon bot pareil, parce que déjà, il y aurait eu des petits soucis de conflit de nom. Et donc, j'ai décidé de l'appeler Nono, en fait, en référence à Ulysse 31. Donc, j'ai un AHP Nono qui vient de suivre la chaîne. Et donc, progressivement, j'espère qu'il va pouvoir répondre automatiquement à certains de nos messages ou envoyer de temps en temps des petits messages d'autopromotion. Qu'est-ce qu'il a, mon ordinateur, là, à côté ? Bon, eh bah, tant pis pour le retour vidéo. Non, mais je crois qu'il s'est mis en veille, c'est tout. Ouais, Nono. Nono, le petit robot. Alors. Bon, allez, tant pis pour le retour vidéo. C'est pas grave. Bref, toujours est-il que maintenant, la question, ça va être comment est-ce que je m'y prends pour faire ce bot. Parce que je suis vraiment en mode l'arrache, les mains dans les poches. J'ai vu vaguement un tuto qui utilise le langage Python. Je sais que Yves lui a fait le sien avec Node-RED, qui est un truc spécial. Alors Node-RED TwitchBot. Qu'est-ce que ça donne si je cherche ça? GitHub Node-RED Twitch Random Draw. Ouais. Node-RED Contrib flows.nodered.org. Node-RED Twitch Event Sub. Oula, il y en a des choses. Faire un chatbot avec node.js. Non, nope. J'ai vaguement un peu d'historique Python. Mais alors JavaScript, j'en ai absolument pas. Donc déjà pas de node.js. Et a priori, Haribo veut pas de Node-RED non plus. A priori, Haribo veut pas de Node-RED non plus. Pourquoi pas de Node-RED hein? Si c'est pas indiscret. Hop là. Salut à toi, Manon. Ah, tu vois, t'es pas à la bourre, Manon. T'es pas à la bourre du tout. C'est moi qui le suis. C'est très no-code graphique. Ouais, mais à la limite, pourquoi pas, non? Hop là. Mais oui, effectivement, c'est no code, hein, c'est fait pour d'ailleurs.
Infrastructure Asbot, ouais, j'aurais pu appeler le live Infrastructure Asbot. Pourquoi pas si c'est super bien documenté et ça ne l'est jamais. Ah oui, la documentation. Ah, le gros problème partout, hein, la documentation. Alors, streamer.bot, c'est quoi ça, streamer.bot? Voyons voir ça. Poum, 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 poum. Qu'est-ce que j'ai fait de ce navigateur? Hop là. Tiens, d'ailleurs, je vais me mettre là. Hop. On va voir ça. Hop. Supercharge your Twitch screen. Oui, il est gentil. Ah, mais du coup, c'est un truc en mode SaaS. Twitch, OBS. Plugin. Ça nous dit qu'il permet de donner pas mal de choses. Je crois qu'il y a des choses intégrées pour le bot. Ça fonctionne localement sur ton PC. Ah. Ah, mais j'ai un gros sign-in là. Hein. Features, wiki. Alors, features, oui, ça, ok. Plugin, support. Lightweight bot. Ou ça ressemble à un truc Windows Only, ça. Runtime C Sharp Compiler. Ouais, oups, parce que voilà quoi. Alors, je vais. Hop, ah oui, d'ailleurs, j'avais oublié de passer sur cette image où j'avais mon navigateur avec justement le streamer.bot là. Puis on voit très clairement la tête de la fenêtre. La tête de la fenêtre, hop là, c'est clairement du Windows. Et moi, bah. Hop, voilà. Hein. Et puis, si je fais un petit. C'est quoi, NeoFetch hein. Hop, voilà. Comme ça, c'est posé. Donc, ouais, ben, je pense que, ouais, pour streamer.bot, ça va être un peu compromis. Qu'est-ce que c'était que ces trucs? Twitch Random Draw. Ah, ouais. Node Redbot to randomly select active viewers from one or more Twitch channel. Ouais, c'est sympa, mais c'est pas forcément ce que je cherche. Ceci étant, ça peut permettre d'avoir toute la partie autant qui est déjà gérée. Ça, c'est quoi? Bon, ça. Ah, d'accord, ça, c'est des. Oh là, NPM install. Ah, ok. Donc, Node-RED, en plus, c'est du Node.js. J'imagine que le nom Node-RED est pas étranger au fait que c'est du Node.js. Node-RED Twitch Event Sub. Node-RED flow to subscribe, receive and respond to Twitch webhook. Oh le truc. Tu comprends le PTSD maintenant? Effectivement. Effectivement. Highly recommended to secure your Node-RED flow. Your server will be exposed to the. What? Pourquoi mon serveur devrait être exposé à Internet? Enfin, qu'il sorte, c'est une chose, mais. Prerequisite. Node Red running on port 400. Ok. Enable and grok house token. Twitch app client avi. Twitch. Ouh là là. Ouais. Je. Ouais. Ouais, en fait, Python, c'est bien, hein. Peut-être pas mal hein, d'y aller à la mano en Python, à moins qu'il y ait déjà des bots. Alors pour l'instant, alors j'ai trouvé un tutoriel pour faire un bot Twitch en Python. Genre à l'arrache, hein, comme ça, genre 10 minutes avant le début du stream. Je suis en train de me dire, est-ce que je vais pas regarder s'il n'y a pas 2-3 tutos qui vont nous mâcher le travail. Et il y a celui-ci qui a l'air pas trop moche. Parce qu'en plus, on pourra faire un petit. Voilà. Oh. Saluer la chatroom, ça c'est pas mal. Répondre à des messages dans le chat, ça c'est très bien. Alors. Ah, il y a peut-être moyen. Oh, faire des catch-up commandes, répondre à des messages spécifiques. Tell my bot I said hello.
Is what you should have when you're done. Ah! Et il a mis les fichiers dans un... Oh non, attends, mais il a carrément... il nous a carrément mâché le travail, là! C'est l'éclate, hein! Barebones Twitch bot. Non, mais franchement, là... Non, mais c'est... que demande le peuple, hein? C'est cool, ça! Alors, qu'est-ce qu'il dit? Getting started should be quick and easy. Bah, j'espère. Of course, if you ever have questions, vous spécifique. Ok. Python 3.6. J'espère que ce sera juste un minimum parce que, en fait, donc moi, je me suis popé une machine virtuelle, voilà, que j'ai, qui s'appelle apart-bot. Et en fait, eh ben, TC Red Hat Release. Donc, c'est une Fedora 36. Which Python 3. Ok. Python 3-V. Non, 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 pas comme ça. Exit. Hop. Moins grand V, je crois. Voilà. Et dessus, j'ai un Python 3.10. Donc j'espère qu'il va pas falloir que j'aille. Et ça, par contre, House Token et Client ID, ça, j'ai. Cloner le repo, le décompresser quelque part. Bon, on va commencer par ça. Hein. On va commencer par ça. Hein. On va voir ce que ça donne. Hein. Plus ça tombe bien, je m'étais fait un répertoire Git. On va faire un mkdir others. Voilà. Git clone. On va y aller tout de suite. Hein. Pif paf pouf. Alors, du coup, il va falloir que je trouve. Il va falloir que je fasse attention à certains moments. Il va falloir que je vous planque des choses. Parce que ce serait dommage. Que je vous mette les codes d'accès du bot. Ou alors il faudra que je les révoque tout de suite. Donc le premier objectif, c'est d'avoir un bot fonctionnel. Le deuxième objectif, c'est de ne pas faire fuiter les codes d'accès. J'avais pas fait gaffe à la licence. Oh, licence MIT. Cool. Bien permissif, normalement. Enfin, quand je dis permissif, pas au sens on peut faire des conneries avec, hein, mais au sens c'est une licence qui est assez libre en fait. Je dis pas que genre les licences classiques genre GPL sont pas assez libres, mais celle-ci est quand même assez. Enfin voilà, en gros il dit vas-y c'est open bar, mais s'il te plaît soit un minimum gentil quoi. Free of charge, ok. Voilà, parce qu'il n'y a aucune restriction, sans limitation, d'utiliser, copier, modifier, fusionner, publier, distribuer, sous licence, et vendre des copies du logiciel, et de permettre les personnes à qui c'est fourni de le faire, avec la condition suivante, il faut au moins la notice de copyright et cette notice de permission qui sera inclue dans toutes les copies et les portions suivantes du logiciel. Et bien entendu, aucune garantie de fonctionnement. Donc voilà. Bien, 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 bien. Alors, hop, zoomer encore un peu plus au cas où. Je vais d'ailleurs vous passer le lien tout de suite. Et que je vais mettre d'ailleurs dans les liens du live. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles je veux faire ce bot. C'est justement que bah, je veux faire mon gros copiteur sur Eve. Et j'aimerais bien ne pas avoir à copier-coller chaque fois qu'il y a un lien dans le chat pour aller le mettre dans les liens du live. Donc c'est aussi après l'un des trucs que j'espère que le bot sera en capacité de faire. Et si le code là n'y est pas, bon, on verra bien s'il y a moyen de faire quelque chose. On verra après comment est-ce que le bot Twitch va aller se connecter sur Discord. Mais ça, ce sera dans un deuxième temps. Déjà, si on a un bot Twitch qui marche à la fin du stream, on sera content. Donc, prérequis, pipenv, ok. Et il y a quoi comme... Ah, il y a un env example, ok. Gitignore, pipfile, hop. Ok, bon, bah, on va l'installer pipenv déjà. Poum, 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 poum. Il installe des dépendances. C'est pas forcément mon gros délire comment dire, d'utiliser les gestionnaires de package Python,
Mais et ensuite, installe les rigueurs, pipenv install. Donc je suis là et je fais un petit pipenv install. Et là, il va chouiner parce qu'il a pas de compilo, c'est ça? Neither pipenv or as. Ah oui, d'accord. To install Python. Quoi? Ah, le truc veut vraiment Python 3.6 en fait. Il veut me forcer une install de Python 3.6. Il y a vraiment une raison? Parce que ça va me. Est-ce que pianv existe? Ah oui. Donc déjà ça commence bien. Je suis pas un dev, hein, que les choses soient très claires. Hein. S'il y a des gens qui sont ce soir en train de se demander si je suis un dev, non non non. Hein. C'est méthode la rage totale ce soir. Ouais, ça se tente. Ça se tente. Ou alors remarque. Requires Python. Si je dis supérieur ou égal, on sait jamais sur un malentendu. Non, non, toujours pas. Ah, ok. Ça, il veut pas. Ok. Alors, on va lui dire 3.10, allez. On sait jamais sur un malentendu. Fail to load. Ah, ça commence bien. On est d'accord que au pire des cas, hein, le répertoire virtuel env, je le fais sauter. Hein, si jamais je casse un peu les trucs. C'est mignon, il fait des. Ok, merci Top Clean. Et puis bah Manon, merci hein, si t'es dev, peut-être que tu pourras m'aider. Oh c'est mignon, vous avez vu le petit Python en UTF-8? Salut à toi, viewer Kazu. Déjà, le bot, bah, il va servir à discuter un petit peu avec vous. Et puis j'espère aussi qu'il pourra envoyer les liens dans les liens du live sur le channel Discord de la chaîne. Ok, donc a priori, je fais pipenv shell et après, je peux faire pipenv run. Ok. Donc ça, c'est fait finalement. C'est fait. Oh, je copie et je renomme intégration example en intégration.yaml. Intégration. Il est où? Il y est pas? Ah, il a oublié des trucs dans son. Oui, j'ai rien du tout. Je pense que c'est plutôt le point env example qu'il faut faire. Vous voyez, il y a les trucs ici où il est indiqué secrets go here. Et puis, il faut mettre des choses ici. Donc, là, ce que je vais faire, déjà, c'est que je vais aller sur une autre... dans un autre terminal. Et puis, je vais refaire un autre tmux. Et... j'ai mon fichier .env et mon fichier .env je vais lui donner les valeurs qu'il faut. Donc j'ai mon token, hop, on va aller récupérer ça dans ma petite base de mots de passe. Donc ça c'était le token, hop. Alors, oula, non,
pas comme ça. Voilà. Ensuite, le client ID. Il est où le client ID? Parce que je l'aurais pas laissé traîner quelque part. Hop. Ça doit être ça, normalement. Ou pas. Gérer. Alors désolé, pour le moment, vous voyez pas grand chose. Parce que bah. C'est méthode d'arrache. Pendant ce temps, qu'est-ce que j'ai d'autre à récupérer? Le botnik. Hop. Est-ce que je l'ai bien appelé comme ça, avec un underscore ou sans underscore? Ah. A priori. A priori, je ne lui ai pas donné de d'underscore. Ok. Hop. Alors la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je vais mettre dans le channel? Alors, c'est un peu embêtant parce que j'ai le truc qui tourne en rond. Alors pendant ce temps, hop, peut-être jeter un œil à. Quand on tape des commandes, il répond. On pourra faire ça, ouais, Manon. On pourra faire ça. J'aimerais bien qu'il le fasse. Exactement. Exactement. Wishlist qui existe d'ailleurs hein, maintenant. Je sais plus si je l'ai mise d'ailleurs sur le lien de mon de ma page. Pop, 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 pom. Ah non, j'ai pas fait la commande, on dirait. Tout. A priori. Parce que le channel, c'est quoi? Ça va être le nom de ma chaîne? Parce que ça, j'ai compris. Ça, je vois pas trop ce que c'est. Mais je vais essayer de le trouver. Non, là, c'est le client ID. Ah, là, ce serait l'ID de la chaîne? Alors, où est-ce que je vais aller trouver ça? Est-ce que ce serait pas AHP underscore Nils tout simplement? Peut-être. Peut-être. Je vais essayer avec ça. On va voir ce que ça donne. Et donc a priori, il me reste plus que à trouver le client ID. Alors. Ah, faut que je me reconnecte. Ah oui, non, c'est vrai que oui. Il y a une petite erreur. Hop, alors. Voilà. Allez, on recommence. Alors la 2FA, parce que bien entendu, même avec un bot, il y a la 2FA. Et j'aimerais bien qu'il m'envoie le code de 2FA. Hop. Alors, votre code de sécurité Twitch est le 4. Hop là. On autorise, oui. Voilà. Alors, maintenant, application, gérer. Il est où mon ID? Ah, voilà. Bien ce que je me disais.
Et c'est bien indiqué, secret du client, nanana, veuillez garder cela confidentiel, ok. Alors. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, maintenant, on peut revenir ici. Salut à toi, Benzo. Alors, qu'est-ce que tu ne... Hop. Qu'est-ce que tu nous proposes? Ah bah, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Hop. Ah oui, le lien du dépôt. Ah, pourquoi le lien... Ah. Hop. D'accord. Donc, quelqu'un n'avait pas eu le lien du dépôt. Hop. Ok, donc j'ai mon .env, c'est bon. Donc je suppose que le integrations.yaml, bah, vu que le fichier d'exemple n'existe même pas, il n'y a plus à le mettre. Ok, donc ça c'est fait. Back to the console. Pip env run, python bot.py. Non, il n'y a pas encore de bot, viewer casu. Désolé. Donc. Run. Python bot.py loading et type error missing one required positional argument token. Ah, token, il manque, pourtant j'ai mis le token, je comprends pas. Ligne 5. Une 5, commande.bot, ouais. TMI token, ouais. Bah pourtant, TMI token, ouais, je l'ai. Je vais relancer le BNew. Alors, on va reprendre le tuto. Faut ajouter le house token et le client ID from the after de égal. In the file, ouais, ok. J'ai bien mis le house de points, ok. Client ID, ça je l'ai rempli. Le bot nick, je l'ai rempli. Le bot préfixe, bah, point d'exclamation. Channel, je vais enlever le channel, on sait jamais. On verra bien ce que ça donne. Hein. Même si normalement on devrait tout remplir, je suppose. Non. Donc c'est vraiment le... Est-ce qu'il a fait des choses entre-temps? Est-ce qu'il a... Ça commence bien. Ça commence bien. Si j'ai un problème de token, on peut envoyer Liam Neeson. Je regarderai ton code, je trouverai le bug et je posterai une issue sur GitLab. Il faut peut-être que le bot ait un ID déclaré sur mon compte Twitch. Un argument positionnel n'a pas de égal. Ok. Bah en fait, vu que dans le... Alors... Point exemple... Non, tiret exemple. En fait, tu vois, là, il y a écrit OHouse de point yada yada yada. Enfin, yada yada, pardon. Donc, j'ai bien mis un truc après. Après les deux points. Le client ID, donc j'ai rempli ça. Je parle du code Python, pas de l'env. Un argument positionnel n'a pas de... Ok. Donc ligne 5 bot égale commande.bot missing one required positional argument token IRC token. Alors il est ah, alors est-ce que ça serait pas à cause du fait que je l'ai mis en Python 3.10? Parce que si ça se trouve avec Python 3.10, ils ont peut-être changé des choses. Je vous ai dit que j'étais pas développeur. euh...
tu n'as que des arguments nommés. Ok. Salut McFly, hein, bienvenue à toi. X et Z sont des arguments nommés. Ok. Alors attends, on va. Là, j'ai le code d'erreur. Non, pas deux fois. Hop. Mais non, c'est pas ça que je veux. Hop. Je vais aller là. Voilà. De toute façon, il n'y a qu'un bot.py. .py. Hop. Il se plaint de ne pas avoir d'argument positional token. Ouais. Alors, je vais le relancer, non pas pour... c'est pour avoir le message d'erreur. Voilà. Donc, il dit que en fait, ça l'ennuie. C'est cette commande-là qui l'ennuie. Et... il se plaint de ne pas avoir... From Twitch, voilà, il me porte combien ça se tente. Allez. Mais non, ah... Hop. Donc, depuis une invite Python. Eh ben, allons-y. Il n'y a plus Python. Donc, on va juste faire Python 3 comme ça. Et, et ben là, on l'a ici. Donc, on importe OS. Voilà. On importe les commandes de twitch.io.ext. Ok. Et là déjà le module ne veut pas. Bah oui, parce que je suis dans un pipenv dans l'autre. Je suis dans un environnement, donc il faudrait que je lance. Il faut que je lance. Qu'est-ce qu'ils disent? Parce que là j'avais fait un... Il n'y avait pas un truc... Oui, mais ça c'est logique, Manon. Parce que je suis dans un... C'est, le truc c'est un pipenv, donc... Je suppose que je fasse un truc du genre pipenv run Python. Plutôt que de lancer Python directement comme ça. Voilà. Non. Faut que je fasse source env bin activate. Ok. J'ai rien du tout là-dedans. Je suis non, le point env, ça c'est avec les donc c'est ici en fait. Bon, écoute, je vais pas. Oui, j'ai fait le pipenv install, tout à fait. Hop, il était là. Remarque, je peux lancer les choses depuis peut-être ici. Si je reviens ici, là, et je refais un import OS. Hop. Non, toujours pas. Si je refais un... Il va me dire que c'est déjà le cas. Ouais, il est en train de réinstaller les choses, hein, c'est fou. Ah, voilà. Ok. Donc là, maintenant, je dois pouvoir lancer Python. Voilà. Et puis, je peux refaire import OS. Et ensuite, from twitch.io.ext import commands. Et là, c'est bon. Là, il l'a chargé. Et ensuite, tu voulais que je fasse un... Ah oui, bah oui, forcément un help de commands.bot. Ok, allons-y.
token. Ah, c'est parce que le truc s'appelle avant IRC token. Je suis en train de penser à un truc. Son code là, il a 17 étoiles, 9 forks, 5 branches. Il y a des issues. Il y a 3 pull requests. Mais c'est des pandabots. Ok. Bug, bye bye config. Aline, devto, tutoriel version. Ok. Dans les issues, il n'y a rien. Ok. Alors. Parce que là, il dit bien token préfixe. Parce que là, j'ai IRC token, client ID, nick préfixe. Add cog, add command, check, command, event command error, get cog, get command. Non, commands.bot. Ça, de toute façon, c'est ce que j'avais fait. Voilà, help commands.bot. Donc là, il y a la classe. Et ensuite, il dit quoi ici? Oula, non. Là, déjà, tu fais rien. Je veux juste lire. Le constructeur en Python, c'est underscore, underscore, init. Ok. Mais. En fait, quand il fait le commands.bot, là il donne des tokens. Initial channels, heartbeat. Regarde le underscore underscore init un peu en dessous. Ah! Hop là. Alors. Self token str préfixe. Client secret. Initial channels. Ouais, il y a encore les heartbeats. Si help type self for accurate signature. Ouais. Parce que là, en fait, IRC token, je le vois pas. Les arguments s'appellent pas token, pas IRC token. Ouais, c'est ça. La doc et le package Python ne sont pas d'accord. C'est ce que j'étais en train de me dire, Haribo. Donc. Ah oui, on est complètement d'accord, Manon. Ce qui fait foi, c'est bien le package. Mais le truc, c'est que si je mets ici. Alors. Si je cherche IRC underscore token. Non, ça va, il n'est pas à nouveau dans le code. Donc. Je peux mettre token comme ça. Mais je ne suis pas sûr que ça va suffire. Parce qu'ensuite, j'ai un client ID. Est-ce que j'ai un client ID quelque part? Oui, j'ai un client ID from client credentials. Twitch.io.dev en latest. Ouais, ça se regarde. Hop là. Hop. Et donc là, a priori, import command, ok.
Donc là, il a un. Ah, il a un. Ok. Donc il y a un token. En vrai, on pourrait le coder soi-même. Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, je suis. Il dit module introuvable ou argument notre set. Bah écoute, on peut revérifier. Hein. On est ici. Attends, déjà. Est-ce que j'ai sauvegardé mon fichier? Bon, je sais, j'ai fait ça. Si je reviens ici, que je retente un. Je pense qu'il va se gaufrer, mais pas à la ligne. Mais à la ligne d'après, peut-être. Ah, il met un peu plus de temps. Invalid or unauthorized access token passed. Ok. Donc déjà. Déjà. Ça, c'est pas mal. Pourtant, le token. On fait tous semblant. Ouais, je me répète un peu, désolé. Ok, alors. Donc, s'il a dit que le token était invalide. Token égale TMI token. Alors, ce serait quoi exactement? On va regarder la doc. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Visite token generator. Twitch token generator and select the bot chat token. After selecting this, you can copy your access token somewhere safe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je vais le regarder dans un autre. Dans un autre onglet. Alors. Alors j'ai d'autres valeurs maintenant, donc je vais les mettre dans le fichier. Access token. Ok. Ensuite, client ID. Non, celui-là. Ok. Et alors, ce que je vais peut-être faire dans le loot. Je vais copier quelque part. Alors. Oui, je sais, c'est pas super fun de voir juste le code là. Hop là. Parce qu'en gros, j'ai un truc avec un access token, un refresh token et un client ID. Alors, je sais pas pourquoi maintenant il faut un refresh token. Mais on verra bien. Alors, ensuite, maintenant que ça c'est fait, on va réessayer, hein. Hop. Là, est-ce que ça va être mieux? Ou est-ce qu'il va encore me dire qu'il manque quelque chose ou qu'il y a un truc qui est mal fait? Roulement de tambour. Enfin, le bot, un jour, pourra peut-être déclencher un roulement de tambour. Peut-être un jour, hein. Allez, courage, petit brobo. Un bot récursif, oui. Alors.
S'il ne dit rien, on peut peut-être tester quelque chose alors. Parce que quand le truc. Non, là on doit pouvoir faire un point d'exclamation test. Mais est-ce que le bot est dans le chat? Est-ce que le bot est dans le chat? Hey! First time chat du bot. Il a dit test passed. Ah non, Manon, la commande Toto n'a pas été trouvée. Par contre, vous devez pouvoir faire point d'exclamation test. Par contre, il a l'air de. Et il m'a dit test, il a redit test passed. Ok. Est-ce qu'il a buggé avec ta commande? Ah oui, alors le Toto, il a pas aimé, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il est un peu lent. Si ça se trouve, il doit y avoir un délai, je pense. Il y a un délai quelque part. J'avais cru lire quand on a parcouru le truc comment dire, en diagonale. Il disait qu'il y avait un délai à un moment. Répondre, voilà. Non, il ne répond pas Komodo. Si, il répond Komodo? Ah oui, il répond Komodo, tiens. Bah alors? Il répond à moi, il répond à Studio Cyanotype. Mais pas aux autres. Il répond qu'au dragon de Komodo. Ouais, effectivement. Bon, vous inquiétez pas, on va aller regarder ce qui se passe. Parce que bon, ce serait dommage que. Alors. On va aller regarder le code. On va aller regarder le code. C'est l'idée, hein. Runs every time a message is sent in chat. Ah, attends, Manon. Ça y est, il te répond? Oh, c'est cool ça. Alors pourquoi il te répondait pas avant? Peut-être qu'il était trop lent ou peut-être qu'il. Alors ce que je vais peut-être faire, juste par acquis de conscience. Alors. Non, la machine, elle se. Non, elle est pas. Non, ok. Peut-être juste aux abonnés. Ah. Ah oui, il attend un certain temps, peut-être. Mais je voudrais justement voir où est le truc où il attend, histoire de le faire attendre peut-être un peu moins longtemps. Ou alors, c'est peut-être à cause du. C'est peut-être une limitation de l'API, hein. Donc ça, le os.environ, Botnik is online. Ça, on a dû le voir. Non? Ah, ça on l'a vu parce que. Non, on l'a pas vu, tiens. os.environ, Botnik. Bah pourtant, il est là. Slash me has landed. Channel. Ah, y a Manon qui a décidé de commencer à faire de la QA sur le bot. Magnifique. Salut Jonathan, bienvenue à toi. Ah, ta grippe, t'es mal passé. Oh là là, mon pauvre. Oui, j'espère que tu vas mieux maintenant, Jonathan. J'espère que tu vas mieux. 30 secondes de délai. Oui, alors je. Je vois nulle part où est-ce qu'il y aurait écrit 30 secondes. Parce qu'en fait, il y a quoi? Il y a un bot.py. Il y a le pipfile.lock.
Ok, bon, ça c'est normal, c'est des trucs. Ça, ok. Donc ouais, normalement, juste le bot, il n'y a que le seul code Python qu'il y a, c'est bot.py. Bon, bah, je suis content que ça aille mieux, Jonathan. Donc 30 secondes aussi de délai. Ok. Alors, est-ce qu'il y aurait peut-être un endroit où on peut lui dire de répondre plus vite? Oups là, on n'a rien vu. Non, je vais. Non, on n'a pas rien vu. Parce qu'après, il va y avoir comment dire, il y a des gens qui pourront poser avec les replays. Donc je vais les régénérer. Alors Jonathan, ce soir, j'essaye de faire un chatbot pour Twitch. Alors, les tokens ont été générés. Alors, comment on fait? Uni, Ok, je veux bien les générer de nouveau. Allez. Alors, on recommence. Token generator. Bot chat. Voilà. Autorisé. Du coup, je vais couper le bot, hein, parce que, hop, je ne suis pas un robot. Le mot-clé test viewer casu, il est dans bot.py. Mais là, je regène mes identifiants, puisque, bah, comme un. J'ai un peu laissé l'onglet ouvert et à un moment, je l'ai passé. Donc, je vais, hop, remettre d'autres tokens. Allez. Voilà. Ensuite, je préfère éditer aussi ce fichier-là. Alors, c'est un peu la blague hein, quand on fait pas attention à ce qu'on a comme onglet. Hop. Voilà. Et du coup, je vais refermer cet onglet. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas d'accident à nouveau. Ou en tout cas, pas à ce niveau-là. Bien. Alors, qu'est-ce que tu. Ils coupent tous comme ça au déboté. Ben oui. Alors ben, on va relancer le truc, hein. Hop, allez. Donc là il charge. Donc maintenant. Ah bah ben, voilà, il est revenu. Nickel. Mais il est revenu très vite, dis donc. TKT, je serai la dernière à dire. Oui, effectivement. Effectivement. Bah ça arrive à tout le monde, hein, Manon. Ça arrive à tout le monde, la preuve. Alors, est-ce qu'il y a des informations là-dedans? Tiens. Comment je peux envoyer un message? Alors attends, déjà, on va faire un truc de base. Après une bonne discipline, et on n'a pas à changer tout. Au lieu de test past, on va faire autre chose. Hein. On va mettre. Voilà. Alors je suppose que si là je fais un point slash et un point d'exclamation hello, il n'a rien du tout. Il va falloir que je. Coin. Ça pourrait être une idée, effectivement. Alors, on va relancer le truc. Ouais, nos commandes hello was found. Hop. On relance le bignou. Voilà. Et il fait salut. Ok. Alors, maintenant, la question, c'est. Eh, mais attends. Il y avait un truc là. Def event message. Runs every time a message is sent in chat.
Ah non, pour le moment, il est pas très futé pour le moment, hein. Alors maintenant qu'on a ce code-là qui marche, on va peut-être relire un petit peu le truc de A à Z, hein. Alors. Donc. Ça on a fait, ça on a fait, ça on a fait. Protip, keep it secret, keep it safe. ok. Pipa, on installe Twitch.io. Ok. Configurer, autoriser le bot. Donc ça on l'a fait. Protip, when we run avec Pipenv, d'abord il charge les variables du 1 et ensuite il lance bot.py. Ok. Tu peux grave faire un bot super sympa. Je connaissais pas, bonne découverte. Merci. Alors, dans ce V1, on a accès à ces variables. On va utiliser le modèle. Ok. Ah oui, d'accord. Donc là, il va. Ça, a priori, j'ai les bons tokens. Ok. Et on va ajouter quelques fonctionnalités au bot. Alors. Event ready. Called once the bot goes online. Print. Botnik is online. Ok. Donc, normalement, il est censé devoir. Ou alors, il faut le nom du channel. Pourtant, j'ai bien mis AHP underscore Nils. Ouais, si, pourtant, il est dans le chat. Ok. Il est bien dans le chat. Je le vois dans les utilisateurs. Mais du coup, j'aurais aimé qu'ils disent. J'aurais aimé qu'ils disent machin slash me has landed. Alors, parce que vous voyez, il aurait dû dire AHP Nono has landed. Et en fait, on l'a pas eu. Ce qu'il a fait, il a fait. Alors quand il nous répond, quand on fait test, il fait await ctx.send test passed ou salut. Alors que ici, il fait. Ah, est-ce qu'il m'aurait envoyé un message privé? Non. Parce que, ah oui, a priori, ce serait prive message. Si j'ai bien compris. Alors, répondre au message dans le chat. Faut être sûr que le bot s'ignore lui-même et le streamer, si jamais. Alors, est-ce que celui-ci on l'a? Ok. Ah d'accord, donc en fait. Ouais, donc en théorie, quand quelqu'un dit hello, il devrait répondre hello bidule. Est-ce que channel est défini? C'est une excellente question. Initial channel égale OS environ channel. Je vais aller regarder dans le point env. Oui, j'ai bien mis le channel. AHP underscore Nils. Ah, par contre, il y a quelqu'un qui a tenté Hello avec 3 L. J'ai mis Channel 5 et ça marche pas. Pas mal, Manon. Pas mal.
Ceci dit, est-ce que... Non, il dit... il répond pas à Hi. Il répond à Hello. Hein. Mais alors, est-ce que du coup, ça poserait pas un problème à faire... Parce que le bot commande s'appelle Hello. Je vais faire salut à la place. On va voir ce que ça donne. Hop. Allez, je coupe. Et je relance. Ok, donc déjà, ça... Salut, ça passe. Est-ce que je peux faire maintenant? Mais si on met juste hello. Si on fait un hello at HP nono, non, il se passe rien. On préfixe avec point d'exclamation. Bah oui, mais si on fait point d'exclamation hello, il dit rien non plus. Par contre, si dans le salut ici, je fais un salut comme ça. Donc je vais recouper et je vais relancer. Alors, no command hello was found, ok. Ok, donc ça, a priori, c'est valable. Alors, on va aller regarder s'il n'y aurait pas des choses qui auraient été... Twitch.io.channel. Basic bot. Parce que là, le truc, au niveau du code d'exemple. Alors, attends, est-ce que ça serait pas parce que je me suis trompé avec les. Parce que s'il a mis des doubles côtes, ça, je sais que ça peut avoir son importance. Voilà. Ok. Là, sur point. Non, ça change rien. Ah, alors, je vous demande 2 petites minutes. Vu que j'ai Studio Cyanotype avec son épée à côté. Hop là, ouais, donc effectivement, on a le même truc chelou. On a le même truc chelou. Donc le CTX author.name, il est pas. Il est pas. Ah bah oui, parce que. Parce qu'en fait, il faut que. Là, on a un truc qui est défini en event.message avec CTX. Et c'est. Le author.name du CTX. If hello in. Manquerait pas un F avant le guillemet de la chaîne. Await CTX.send. Si, il y est. Là, il y a écrit hi at. C'est peut-être le. Alors, je vais tenter un autre, je vais tenter un truc. Ça, on va l'enlever déjà, vu qu'on a convenu que effectivement ça marchait pas. Par contre, ici, en fait, je suspecte que le F ne. Alors. En gros. Voilà. Ça donne quoi?
Salut Jonathan, ouais, pas de soucis. Profite, tu as raison. Tu as raison, Jonathan. Ah non, il répond pas. Il répond pas. Donc pour toi, il faudrait que je laisse le F. Ok. Hop là. Eh ben écoute, on va recommencer, on va retester, hein. Ah, Viewer Casu, c'est dommage, tu l'as lancé au moment où j'avais coupé le bot. Donc. Mais bonne soirée à toi aussi, Jonathan. Repose-toi bien, profite bien de tes proches. Allons-y. Hello, rien du tout. Et là, point d'exclamation. Point d'exclamation test. Test passé. Salut. Ça, c'est bon. Mais si je fais un hello. Ah, il va pas régler le problème, mais il est nécessaire pour interpeller les accolades dans la chaîne. Ok. Ok. En attendant, si je fais un hello HP Nono, voilà. Non. Alors, soit. Alors. On va revenir ici. Ce qu'on avait quoi? Il y avait écrit super init token access token préfixe initial channels print f logged in as. Ah, effectivement, ok. Async def hello self ctx commande point context. Alors déjà le def event ready self. Def event ready print f is online. Il n'y a pas le hâte. Ouais, il n'y a pas le hâte dans la doc, je suis assez d'accord. Oui, leur exemple, il prend une classe ici, et puis après, il instancie la classe, et il lance la fonction. Et donc là, il a quoi? Il a un event ready, ok, il a un event message. Donc là, on a un event ready, ok. Donc il fait le print. Machin, is online. Ouais, mais il le dit même pas là. Ça, on a besoin seulement pour envoyer les messages avec event ready. Ah non, en fait, ici, le event ready, il le met même pas, il balance juste deux prints. Alors,
Ah oui, Stack Overflow, carrément. Oui, c'est une bonne idée en fait. Hop. Alors. Ok, donc il dit que c'est pour un décorateur de classe et de fonction. Ok. Donc c'est juste que ça définit. Ah, oui, le arrobase ici, oui, très clairement, c'est pour faire un highlight à la personne, complètement. Mais si on enlève le arrobase, si j'enlève le arrobase ici, qu'il y en a un autre? Non, hein. Tiens, à la rigueur, on va faire. Non. Attends, pour le moment, on va rester comme ça. Ok. Donc maintenant, si on fait un point d'exclamation test, ça c'est bon. Le salut, ça c'est bon. Et si on fait hello, là il se passe plus rien. Alors attends, parce que là il y en a un event message et eux comment ils font un event message? If message.echo print the content of our message since we have commands and are overriding the default. Alors Haribo qui dit pas la peine de concaténer. F, c'est la même chose que concaténer ABC et X. Await. Alors. Await CTX. Channel. Send. Ok. Et pour toi, il faut faire arrobase. Ah, directement comme ça. TX. Author point name. Oui, c'est ça, l'idée c'est que en théorie il est censé répondre hi bidule quand bidule lui fait un hello. Enfin quand bidule fait un hello. Donc là déjà, ça a le mérite d'être clair. Syntaxe invalide. Donc si ça se trouve en fait, il faudrait faire ça. Voilà. Et ensuite, si je fais un hello, il se passe rien, mais un test. Le test y passe normalement, voilà. Mais par contre, non, il n'y a pas de commande hello. Et ça par contre, j'ai compris. C'est qu'en fait, là, on a bien un at bot command. Donc ça c'est bon. Les commandes. Donc maintenant, ce que je peux faire, déjà,
Le commande papa. Ce qu'on peut faire, c'est faire déjà histoire d'avoir un truc un peu plus là je peux faire YT et je peux faire hop. On peut faire ça par exemple. Et là, je vais aller chercher l'URL de ma chaîne YouTube. T'es où la chaîne YouTube? Remarque si ça se trouve, je l'ai même au, sur mon truc de chaîne Twitch, non? Hop là. C'est peut-être la syntaxe IRC. Alors oui, effectivement. Hop. About. YouTube. Hop. Copier le lien. Voilà. Donc là, bon, je sais c'est crasse-pouille, mais... Et là, normalement, si je reviens ici et que je fais ça, et que je fais ça... Normalement, si quelqu'un fait point d'exclamation YT, ça devrait passer. Voilà. Donc déjà, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ça va permettre d'auto-héberger des commandes basiques. C'est toujours ça de prix. Donc ça c'est assez cool. Tu veux pas coder un bot qui teste lui-même ses commandes? Bon, maintenant, le truc, ça va être de réussir à avoir quelque chose. Je suis en train de me poser une question. Est-ce que je n'aurais pas dû mettre est-ce qu'il n'y aurait pas un problème avec la casse? Si ça se trouve. Alors je vais le déconnecter de nouveau. Et je vais le relancer. Donc en théorie, non, 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 il m'envoie rien. Donc il y a vraiment un souci avec l'envoi de messages. Parce que si j'ai bien compris ce qui est indiqué ici dans le code, qui est indiqué, il est appelé une fois que le bot arrive en ligne, il est censé faire un print en disant le bot est online. Mais là déjà j'ai rien. Et ensuite il est censé m'envoyer un message privé, si je comprends bien. Il est censé m'envoyer un message privé en disant, au fait, le bot est arrivé. Or, je ne reçois aucun message privé. Ceci étant, c'est peut-être aussi parce que je suis resté en ligne sur le... Alors, si je me déconnecte depuis... Non. Ah non, non, j'ai plus de session Twitch sur le navigateur. Je suis pas connecté. Ok. Non, donc c'est bon. Alors. Qu'est-ce que... parce qu'il est censé dire... Alors si je cherche le prive message, tiens.
Alors, il dit quoi? Ah, ça c'est le reste. MSG. Donc, non, c'est pas ça que je veux. Se pourrait-il que... Bah non, mais si la fonction n'existe plus, il aurait... Si la fonction n'existait plus, il l'aurait... Il m'aurait peut-être hurlé à la figure, non? Si je tape le mot private. Non. Donc client.event underscore message. C'est un event qui est appelé quand un message privé est reçu de Twitch. Ceci étant, je peux peut-être tester. Au lieu de ça, est-ce que je peux envoyer juste un truc comme ça? Donc il fait rien. Alors soit c'est parce que il a vu qu'il y avait un truc online oui qu'il le considère pas comme revenu online. Est-ce que c'était x.channel? Salut à toi, DBZ9191. Est-ce qu'il y a un dictionnaire assez complet pour Linux? C'est-à-dire un dictionnaire de quoi? Tu penses que c'est lié au fait de travailler sans définir de classe? Donc pour toi, je devrais définir le truc proprement, en fait. Et pas utiliser la manière qu'il a comme ça en mode bot égale commands.bot. Mais c'est pas ça la définition de la classe. Remarque, non, si ça se trouve, il l'a. Attends. Si je reviens sur le quick start ici. Ouais, c'est parce qu'il y a écrit classe et ensuite il fait un bot égale. Je peux tenter de modifier le code, hein, au point où on en est. Je peux faire... Ça serait un dictionnaire comme le Larousse ou Robert. Alors, il existe des dictionnaires au sens liste de mots. Tu peux trouver des choses, DBZ9191. Mais avec des mots et leur signification, à ma connaissance, je ne sais pas si ça existe. Un port étoile pour voir si c'est pas dans une autre classe. Alors attends, on va y aller une fois. Viewer Casuman, ouais, c'est une chose.
pas que ça suffise, mais hop. Un port étoile. Ouais, on peut tenter sinon un port étoile. Allez. Non plus. Ok, et eh ben écoute, on va essayer de partir de... hop. Donc, le truc qui dit comme ça directement avec cette syntaxe-là, classe bot. Donc, si je redéfinis le binu, il faut que je fasse un def init self. On va copier-coller, hop. Oups là, non, pas comme ça. Ok, non, ça j'en veux pas. Et ça, tu vas venir ici. Et de mémoire. Bonne nuit à toi, McFly. Bah oui, à bientôt pour un prochain live, pas de soucis. Oui, c'est vrai qu'il est déjà 22h. Hein. Alors le truc c'est que là tout ça, ça c'est... Alors... OS environ, ok. Alors... À ce moment-là, on peut lui dire éventuellement... Tiens, c'est marrant que là, il ait fait fos.environ.botnik, alors que pourtant, il a défini un nick ici. C'est marrant. Non mais par contre ce que je peux peut-être faire c'est qu'en fait je peux suivre la même chose, c'est-à-dire que là ça je l'enlève ça et ici en gros hop et après, je vais avoir toutes les autres async def. Donc en fait, je vais enlever les @bot.event. Et le event ready, là, il va falloir que je mette self. Alors, remarque, par précaution, je peux faire ça. Ouais, il faudra que j'aligne les defs, mais ce que je veux pas oublier, c'est... Ah bah tiens, il était là le bot.run. Donc ça, à mon avis, on va pouvoir l'enlever, puisqu'à la fin, on a bot égale bot et bot.run. Hop. Voilà. Et on va pouvoir aligner les... Bah, de toute façon, j'ai enlevé ça. Hop. Ça, on pourra toujours repartir du code... Voilà. Ici, pareil. Et comment il organise les choses, lui, ici? Il a un... Ah, d'accord. Ensuite, il fait un @commands.commande. Self message. Ah, le event message, async def event message, lui, il dit message with echo set to true. Alors, messages sent by the bot. Ok. Donc déjà ça, on va peut-être essayer de mettre comme ça.
Le event ready self. Event ready, il est où? Il est là. Hop, celui-ci, pour le moment, on va le laisser comme ça. Et les addbot commandes. Ah, ce serait addcommands.commande. Alors, pour le moment... Donc là, en toute logique, on devrait avoir déjà un premier truc. Ou pas. Si, il a loadé les variables d'environnement. Et là, il a carrément... Event message manque self. Ah. Ah oui, il y a écrit CTX et pas self. Mais ça, à la limite, c'est pas très grave. Moi, j'aurais voulu au moins avoir le login et le user ID. Sauf que l'ID, the channel AHPenix was unable to be joined. Ah, ok. Ça, c'est intéressant. Maintenant, on sait que... voilà. Alors maintenant, la question, c'est quel est le nom de la chaîne. Enfin, le nom du channel. Alors justement, viewer casu, c'est la question que je me pose, donc je vais réessayer. Donc je viens de modifier avec la casse de mon pseudo. Et on va relancer le Bnew. Et on va voir ce que ça donne ici. Alors. Pour le moment, il se passe toujours rien. Et est-ce que le bot est... Non, le bot est pas en ligne. Hop, voilà, là il s'est... Alors, est-ce qu'il s'est lancé parce que t'as mis un... Est-ce qu'il a lancé ce genre d'erreur parce que t'as mis hello? Non, non, le bot est pas revenu en ligne. Rajoute le self. Alors attends. Bah ouais, mais le event. Ah, ici. Ouais, mais alors du coup, faut que je remplace le. Faut que j'enlève le CTX en fait. Self CTX. Ah, ok. Hop. Allez, on recommence. Ah, je crois qu'en plus, dans le message d'erreur, il le disait. Ah, ça y est, là par contre, il est revenu dans le chat. Et il nous balance des erreurs. Alors, c'est plutôt une bonne chose. Mais il nous dit encore, the channel AHPenix was unable to be joined. Check the channel is valid. Alors... channel.name. Un point lower à enlever quelque part. Ouais, c'est environ point channel, ça c'est bon. Qu'est-ce que... Le point lower.
Parce que là, il balance carrément des exceptions à Sincaio. Je vais le relancer. Parce que je voudrais bien voir ce qui se passe. Mais c'est ennuyeux tout ça. C'est ennuyeux qu'il ne. Parce que là, j'ai. Est-ce qu'il est reconnecté ou pas? Ah, il est parti. Et il met un moment, j'ai l'impression, à revenir. Il met un petit moment à revenir. Alors la question, ça va être, qu'est-ce qu'il va rebalancer comme message d'erreur? Est-ce qu'il dit qu'il n'arrive pas à se connecter ou est-ce que... Je pense que ouais, y a vraiment une question de nom de channel. Alors, pendant qu'on laisse regarder, enfin pendant que je laisse le truc là pour avoir une vue. Oh, on a un follow, on a un nouveau follow. Hop. Ah mince, j'ai pas vu le message de qui a follow. Super, Super Ced, merci beaucoup à toi Super Ced, merci pour le follow, ça fait très plaisir. Alors. Parce qu'en gros, dans les trucs que j'ai générés, j'ai un access token, j'ai un refresh token, j'ai un client ID. Mais est-ce qu'il y aurait un ID sur les chaînes? Ah, l'URL du bot sur GitHub. Ouais, je vais te la donner. Hop. Hop. Voilà, l'URL du bot à la base, enfin du code. Rigole ce sujet. C'est quoi? C'est pour toi c'est facile Super Sed? Ah rigolo, oui, d'accord. Oui, effectivement, c'est rigolo comme sujet. C'est, je pensais que j'aurais des trucs un peu plus fonctionnels, mais c'est pas grave. Non, t'inquiète, pas de souci. Des fois, avec les typos, ça arrive que des messages prennent un tout autre sens. Des fois, il suffit d'une virgule et puis une phrase change de sens complètement. Genre, je mange les enfants et je mange virgule les enfants. Oui, je sais, c'est assez ignoble comme exemple, mais bon. Ça a le mérite d'être pour le moins assez parlant. Viewer Casu qui aime bien l'exemple, ouais.
Tu l'aimes ton grand-père? Oh! Manon. C'est bon, c'est un classique, mais c'est toujours aussi drôle. Le GitHub est pauvre, oui. Oui, Haribo, en fait, à la base, le GitHub, il est associé avec ce tutoriel, en fait. Tiens, donc je vais remettre le lien d'ailleurs. Mais oui, en toute logique. Ouais, c'est ça, hein. Quand le truc dit hello, il aurait dû nous répondre hi, machin. Mais là, le truc, c'est qu'il ne. Ah, si, ça y est, entre-temps, il est arrivé dans le chat. Mais il a rien affiché. Bah, justement, je suis en train d'essayer de le faire. Ah, la version avec la classe, c'est carrément sur le site de. Alors, attends. Hop. Je l'ai perdu. C'est dans le Quick Start. Hop, c'est là. Je vais essayer de rajouter ça. Hop. On est ici. Et alors, il le met au même niveau que les async def. Ok. Hop. Voilà. Donc normalement, celui-là, je devrais peut-être même l'enlever. Il veut pas tabs and space in indentation. Ah, fichtre. Alors ça, je vais peut-être le dégager. De toute façon, je pourrais toujours le récupérer. Non, la même chose, ligne 26. Ouais, mais ça va être des... Ouais, c'est parce que là j'ai refait une tabulation, donc il est pas content. Ok. Vingt-sept. Ah, c'est tout des tabulations ici. Ah, ok. Allez. Bon, je vais pas indenter les commentaires. Est-ce qu'il... Ligne 27, un exp... Oh, punaise.
Alors attends, lui. Ah oui, d'accord, oui, effectivement, c'était au même endroit. Ok. Non, pas ça que je veux. Ok. Donc là, il a chargé les variables d'environnement. Donc là, maintenant, normalement. Si je fais hello. Où est l'eau? Ah, point d'exclamation et l'eau, vu que j'avais. Voilà. Ok. Ok, là on a un truc. Donc ça c'est cool. Déjà maintenant il répond avec le nom. Ça déjà, ça commence à devenir intéressant. Enfin. Déjà. Et si on reprend la... Classe bot. Donc, on a le... maintenant, il y a le event message, self message. Mais par contre, là, le printf, toujours rien. Hein. Il print que dalle. Hein. Donc, je serais presque tenté. Est-ce que je peux faire un. Un await ctx.send? Ouais. C'est ce que j'étais en train de me dire. Là, il est comme ça. Sauf que du coup, faut que je rajoute ici, au lieu de self, faut que je lui dise CTX. En mettant commande.contexte, peut-être. C'est peut-être ça qui me manquait aussi tout à l'heure. Est-ce que dans son event ready. Oui, juste les. Ok. Sauf que non, si CTX n'est pas prévu comme argument, ça ne fonctionnera pas. Bon, écoute, on peut tester, hein. Hop. Jusque-là, je dirais que tout va bien. On peut refaire un point d'exclamation hello. Ok, il me répond bien. Et là, il est censé dire quoi maintenant? Il aurait dû dire slash me is here, mais il ne l'a pas dit. Et c'est pour ça qu'au début, il mettait WS. Ok. Alors, ce qu'on peut faire. C'est peut-être une fausse piste, c'est ce que je suis en train de me dire. Moi, ce qui m'embête, c'est le WS bot.underscore WS. Je sais pas si, si ça va le faire. Okay. Donc là, on refait un point d'exclamation hello. On voit qu'il répond. Il est en ligne. Et qu'est-ce qu'il est censé pouvoir nous dire? Non, il aurait dû nous dire slash me has landed. Mais non. Alors je vais rajouter ce truc-là.
Donc normalement, le async, qu'est-ce qu'il dit? Le def event message. Donc il définit event message. Ok. Enlève l'argument CTX de event ready. Alors. Attends, déjà. Mon hello fonctionne toujours. Et si je fais coucou par ici. Là, il répond que dalle. Mais est-ce que. Message with echo set to true are messages sent by the bot. Bon. Alors, donc tu disais d'enlever le CTX de event.ready. Ok, de laisser juste le self. Ok. Ok, il est là. Je refais le hello. Il répond. Ah, là j'ai un truc. Là j'ai un truc. Il était censé me répondre des choses. Il était censé me faire un print ou non? Ah, viewer casu, tu vois, il y a ton hello qui est ici. Mais il répond pas parce que c'est pas une commande. Par contre. Yes, il l'a bien vu. Ah, et donc là, on voit carrément tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il. Ok. Alors, je vais remettre ce qui était prévu, c'est-à-dire le print et le print ici. Dans le truc de base, le hello, il répond sans le point d'exclamation. Alors... D'ailleurs, est-ce qu'il voit le hello au point... Bah écoute, là pour l'instant, il n'a pas l'air. Recommence parce que je crois que je l'avais coupé à ce moment-là. C'était la ligne 33 qui affiche dans la console. Hop, print message.content. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc en fait, cette fonction-là est là pour afficher les messages dans la console. Ok, donc c'est vraiment quand les commandes commencent par point d'exclamation. Hein. Les commandes commencent par le préfixe. C'est ça, Haribo, le event... Alors. Ce qui veut dire que là maintenant, ce que je peux faire, hop, c'est que si quelqu'un... Donc si je reprends la même, ou presque, au lieu de hello, je mets it comme ça, yt comme ça, et je peux lui dire...
Donc là, en toute logique, au moins ça. Ça refonctionne normalement. Ou pas. Ou pas. Ouais. Je pensais qu'il aurait suffi de le mettre une fois. Mais oui, effectivement, faut peut-être le mettre plusieurs fois. Allez, c'est reparti. Ok, donc ça marche qu'une fois, d'accord. Voilà, mieux. Ok. Donc déjà, ça peut dégager. Hop. Oui, c'est ça. Hop. Très bien. Bon. Et oui, en fait, il y a bien des arrobas en Python aussi, en effet. Mais par contre, effectivement, comme le disait Haribo, on a... On a le event message qui fonctionne, mais on n'a pas le event ready. Alors pourquoi? Alors éventuellement ça je vais l'enlever. Je pense pas que ce soit un... Mais quand il dit le event ready, il dit juste notify us when everything is ready. We are logged in and ready to chat and use commands. Parce que là, j'ai pas de login machin. Hop. On relance. Il a chargé les variables d'environnement. Mais il dit pas qu'il est logué. Il dit pas qu'il est logué, le vilain. Donc là, si je refais un hello. Ok. Ça c'est cool. Mais par contre, si on fait un coucou à HP Nono, il répond pas. Mais de toute façon, y a rien qui est dit pour le pour qu'il réponde. Et oui, le print ne finit pas non plus dans la console. Tout à fait. Tout à fait. Merci pour le follow. Merci beaucoup pour le follow Fugo64. Merci à toi. C'est très gentil. D'ailleurs, celui-là, le user ID, bon, il va pas trouver grand-chose, mais le self-nick, il aurait pu. Qu'est-ce qu'il dit le truc? Le truc, il dit que... Ouais, notify us when everything is ready. We are logged in and ready to chat and use commands. J'ai bien initial channels, ok. Ouais. Hop là. Ça se tente. C'était x.author.name avec des accolades. Et là, ouais, bon, c'est un peu le même topo. Ok. Voilà. Donc là, il est chargé.
Si je refais un point d'exclamation hello. Voilà, il répond, donc il est là. Mais rien du tout. Rien du tout d'autre. Non, c'est vraiment bizarre. Et on peut même pas aller dire un petit message genre. Donc il y a bien le WS bot qu'il y a dans la doc. Et on voyait ce genre de choses là. Je peux le tenter, hein. Mais voilà, toujours rien. Et pourtant là, il est réactivé, hein. Ah, ouais, bon d'accord, j'ai fait un. Voilà. Et on peut même rigoler un peu, tiens. Alors, est-ce que je peux essayer un @bot.event avant le async def event ready? Ouais, je peux. @bot.event. Hop, comme ça. Allez, c'est reparti. Non, name bot is not defined, puisque effectivement on le définit plus tard. Ah, est-ce que ça serait pas plutôt, vu que c'est la classe bot, comme ça? Non plus. Name bot is not defined. Ça n'a pas l'air d'être ça, Daz. Du coup, faudrait peut-être mettre. Autre chose. Ouais, non, remarque. Les autres trucs n'en ont pas besoin. Enfin, le event message, j'en ai pas besoin. Mais remarque le commands.command. Dans ce cas-là, ce serait le juste. Juste un event. Avec la classe, les exemples de event ready n'ont pas de décorateur. Oui, c'est vrai. Hop, quand on est ici. Voilà, le async def event message. Là, il a rien, c'est juste les commandes qui ont un décorateur. Alors. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ah oui, parce qu'effectivement, l'exemple là, il est @bot.printf login to Twitch. Donc c'est un event called when the bot has logged in and is ready. C'est une coroutine, ok.
Ok. Alors la question que je suis en train de me poser, c'est quand il init le truc, il lui faut quoi? Donc là, il y a même des exemples avec des lecteurs musicaux, dis donc. Parce qu'il y a un truc sound. Ah, est-ce qu'il me manquerait un truc dans les imports? Non, from twitch.io.exe, t'importe commande. Non, non, c'est bon. Je vais vérifier, mais. Ouais. Ah, j'avais pas. Hop là. Alors. Alors. Tout, 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 tout. Hop là. Je lui transmettrai à viewer, casu, t'inquiète. Alors, la fonction, on l'appelle jamais. Ben écoute, en théorie, elle devrait être appelée. Parce que attends, le event message, la fonction est appelée sans qu'on ait à rien faire. Enfin, sans qu'on ait à rien faire. Façon de parler. En fait, il est perpétuellement en train d'écouter. Alors j'essaie de remplacer le print. Le print, il est passé où? Hop, le print, il est là, ouais. Hop. Get channel, send le message ici. Allez, soyons fous. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Allez, c'est reparti. Et en commentant les WS, les... Ah oui. Effectivement. Hop. Alors, là pour le moment, rien à signaler. Et je n'ai pas de message privé. Et il n'y a pas non plus de message sur le canal. Donc, à tes souhaits. Mais c'est pas grave. Donc le self.getChannel, ouais, je comprends que. Ah, parce qu'on peut faire un get. Il y a un truc de get channel. Hop. Retrieve a channel from the cache.
Bon, effectivement, c'est un peu dommage. Non. Hop, voilà. Alors, ce que je suis en train de me dire, c'est pendant ce temps, est-ce que je peux pas rajouter quelques commandes, tant qu'à faire. On peut faire un petit truc du genre... non, faut remettre tout ça. Hop. Puis on va faire un petit hop socials. Alors. Alors j'ai un trou de mémoire en Python. Est-ce que si je fais un anti-slash n, ça passe? Et que je mets par exemple, alors Twitter. Faire ça, ça. On va faire, foobar, hop. J'avais mis quoi? Twitter. On va peut-être mettre Mastodon. Hop. Et puis, on va dire Instagram, tiens. Hop. Déjà, est-ce que ça peut passer? Alors, Haribo qui dit, ah, mais send, c'est async, donc il faut sans doute dire await. Ah! Ça, je peux le modifier, hein. Ça se tente. En fait, je crois que c'est cette histoire de async.io, là, d'envoi asynchrone, enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais joué avec ça avant, donc ça doit être, comment dire, un concept à acquérir avant. Bah écoute, pour le moment, il envoie rien du tout. Il envoie rien du tout. Et donc, si je fais un point d'exclamation socials, non, les anti-slash n, il les ignore. Mais à la limite, c'est pas très grave. Hop. Ce qu'on peut faire. Event ready. C'est dingue parce que en fait, quand on fait les trucs ici avec les ctx.send, ça marche. Et alors quand on veut envoyer un message. Quand on veut envoyer un message, ça
ça réclame le CTX. Donc quand on poste initialement, il n'y a pas encore de CTX. Ok. Ouais, d'où le fait que tu fais un self.getChannel.send. Ok. Mais il y a un truc qui m'embête, c'est pourquoi il trouverait pas le channel alors que pourtant il est bien connecté. Enfin, en plus, il apparaît dans la liste des utilisateurs en ligne, donc. Et même le print, alors que pourtant le print ici, on a. Donc en fait, à quel moment le event ready il apparaît? Si il apparaît. Alors est-ce qu'il faudrait que j'arrive à déloguer. Enfin. Non, pourtant, on voit bien quand je coupe le bot, il est plus dans la liste des utilisateurs. Il y a quoi comme event dans le truc? Si je réfléchis comme ça, on a quoi? On a event ID, non. ID of the hype train. Event subext, c'est quoi ça? Running event sub is time commands bot. Twitch requires event sub targets to have SSLTS enabled. Twitch IO does not support this. As such, you should use a reverse proxy such as Nginx to handle TLS SSL. Attends, c'est quoi? Ah oui, mais ça c'est autre chose. Ok. C'est autre chose ça. Ah, voilà, on a donc là tous les async event quelque chose. Donc on peut faire peut-être event join. Ah! Ah non, ça c'est quand un join est reçu de Twitch. Donc c'est quand quelqu'un se connecte. Donc on peut réagir quand quelqu'un se connecte. C'est pas quand lui il join. C'est pas quand le bot join. Enfin, je pense. Et donc le event ready, il dit quoi? Event called when the bot has logged in and is ready. Ouais. Alors que le join, il dit pas que le bot a joined. Viewer Casu, quand tu dis que tu vois pas la diff avec le quick start, c'est-à-dire. Fetch channel. Alors en fait, la différence. C'est qu'on a on a instancié une classe, enfin on a défini la classe de façon explicite et à la fin on l'a c'est passé où d'ailleurs? Hop, voilà, c'est tout en bas, en dessous on l'instancie et on l'exécute. Et là, ce qui m'embête, c'est
le event ready. Parce que quand le truc il dit... Donc en fait, il faudrait que j'arrive à forcer une déconnexion. Il faudrait que, genre, que je me reconnecte avec mon... Je vais essayer ça, tiens. Hop. Alors. On va se loguer. Avec le compte du bot. Donc il va forcément me réclamer une requête par SMS. Voilà. Voilà, donc là maintenant, maintenant que je suis connecté, alors online, ok, donc là, dans le quick start aussi, il définit la classe. Ah, tu veux dire dans le quick start ici ah oui, oui, bien sûr, là dans ce cas-là, effectivement, le code est le même. Le code est le même. Je pensais que tu parlais du truc sur GitHub. Alors, settings. Est-ce que j'ai un truc dans la sécurité pour dire vas-y, déconnecte tout le monde. Enfin, toutes les autres sessions. Alors, j'ai des connexions. Ah oui. Alors. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais... Hop. Là, le bot, il a quitté le chan. Mais en fait, il est toujours connecté. Il est toujours connecté à Twitch, en fait. La session n'a pas expiré. Donc, si je déconnecte la session... Et que là, je rafraîchis la liste des utilisateurs sur le... Ouais, non, il est toujours là. Tiens, c'est chelou, ça. Et si je relance le truc... Ah, invalide... Ah, d'accord, ok. Faut que je régène les... installer, ça c'est fait. Quick start. Donc là j'ai le token generator. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi je suis obligé d'aller sur ce site? En fait, j'ai l'impression que le bot... J'ai l'impression qu'on utilise un service externe. Parce que vous voyez, en fait, je vous montre, hein, de toute façon, là, les tokens ont expiré, donc c'est pas grave. Mais globalement, le truc de la documentation, là, ici, sur le Quick Start, il dit d'aller visiter le générateur de tokens pour obtenir un bot chat token. Et en fait...
Donc ça, normalement, c'est des trucs que je devrais... Ça, c'est celui de Twitch. Comment tu sais que c'est celui de Twitch? Ouais. Alors, je vais planquer la fenêtre. Ok, autorisé. Mais en fait, là, ce qui se passe, c'est que j'ai juste un seul code de O House. Alors qu'a priori, il me faut aussi un ID de client. Hop là. Hop. Et l'ID de client. Ah ok, viewer casu. Donc t'as regardé sur comment builder un bot. Ok. Et donc... The channel name where you want to run the bot. This is your main Twitch account. Ok. Donc ça c'est bon. Le channel name, en fait, on l'a comme il faut. Le host token. Mais ouais, mais du coup, là, ce qui se passe, c'est que Et j'ai pas de client ID. Mais non, mais je veux pas faire du Node.js. Alors à quel moment le client ID est utilisé? Le client ID, c'est os.environ. À quel moment il l'utilise? Parce qu'à la limite... Ouais, parce que non, l'ID, c'est pas la même chose que le nick. Donc pour toi, Haribo, c'est un problème avec notre utilisation de la lib Python et Event Ready. Tu penses que le client ID est bon puisque le bot lit le chain et y répond. Le seul problème, c'est écrire spontanément dans le chain, après tout. Tout le reste fonctionne. Oui, effectivement, ça a l'air pertinent. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est en fait, j'ai l'impression que cette lib, c'est comme c'est pas une lib officielle, parce que vous voyez, Twitch.io. Python librairie. Voilà. Ouais, mais non, auteur, c'est pas quelqu'un de chez Twitch. Go to refaire from scratch. Ouais, non, mais là, c'est juste indiqué une approche orientée objet. Mais c'est pas une lib officielle.
Ouais, remarque, en même temps, il les affiche sur le site officiel, hein. Ouais, ça, c'est la doc officielle, on est d'accord. For open resources built by Twitch. Donc là, ils affichent des choses, mais ils disent... Alors, attends, déjà, ça, c'est quoi? No event ready if initial channels is not passed. Non, tu dis que t'as rien dit à Haribo? Alors pourtant, ça a l'air... Token, Secret Initial Channels, Grok, Gronk, TV. Ouais, mais ah oui, c'est parce que oui, nous, oui, on le met, mais si ça se trouve, s'il est pas bon. Ah, oui, bah oui, alors dans ce cas-là, il est bon. Mais remarque, ouais, c'est open. Ouais, effectivement, on a besoin de se connecter à un channel, donc ça veut dire qu'on y arrive. Ok, et sinon Das qui disait wait self.channel concerne. Alors attends. Pourquoi un self.channel.send avec self en paramètre de fonction pour event ready? Pour toi, ce serait ça. Alors déjà, je vais refaire mes... je vais régénérer mes access tokens sur leur Twitch token generator, là. Que je trouve un petit peu... Ça m'enquiquine un peu. Que du coup j'ai l'impression de dépendre d'un autre service externe, ce qui me ce qui me plaît moyen. J'aurais aimé faire ça en un peu plus comment dire? Bah en un peu plus auto-hébergé. Hop là. Alors, du coup, access token. Hop. Ici, le client ID. Voilà. Donc, ensuite. Alors, bot n'est pas censé avoir un attribut channel. Il a un attribut connected channels en revanche. Déjà, rien que le print devrait marcher. Oui, rien que le print devrait marcher. Mais. Donc, ce qui correspond à dire que finalement, le event ready n'est pas appelé. Ok, donc là. Là, il est connecté. Si on fait un petit point d'exclamation hello, voilà, il me répond. Si tu l'appelles à la main, il marche le event ready. Comment veux-tu que je l'appelle à la main? Ah, que je le descende là en bas? Bah non, il fait un bot.run, donc il devrait tout.
Ah, écoutez, je pense qu'on va, on va se. Ouais, normalement, il devrait. Depuis un des handlers de commande. Honnêtement, là, je. Honnêtement, je commence à être un peu. Comment dire? Je suis dedans depuis un petit moment. Je sais pas vous, mais je commence à avoir les yeux qui se croisent, en fait. D'ailleurs, le bot remonte même pas dans dans la liste des utilisateurs, alors que pourtant il a répondu. C'est assez comique. Oui, bah oui, il se met à se faire tard. Bon, écoutez, déjà, le bon truc, c'est que je peux potentiellement avoir des petites commandes custom. Donc déjà, ça, c'est un bon premier point. Je vais... on va... Comment dire? On va déjà profiter de la petite victoire. Et puis, bah, peut-être que je... Oui, peut-être... Ben, en fait, ce qui m'embête, Viewer Casu, c'est que le truc, en plus, dépend d'un système d'autente qui n'est pas directement celui de Twitch. Donc, après, peut-être qu'effectivement, ils ont des bugs, hein, et donc on n'est pas au courant, hein. Donc, voilà. Bon. Bah, écoutez, on aura essayé, hein. On aura essayé. Déjà, on arrive à avoir un code avec au moins des commandes. Donc, je vais pouvoir commencer à me faire une petite liste de commandes. Mais oui, après, je peux peut-être. Alors, ou alors, je décide de lâcher l'affaire et partir sur du Node-RED ou du Node.js. Mais bon, je sais pas si j'en aurai le courage. Déjà, j'ai l'impression d'avoir galéré un peu ce soir avec Python. Donc c'est peut-être pas pour me mettre sur du Node.js. Bien. Bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée. Je pense qu'on va en rester là pour ce petit stream hors série. On a déjà passé. On aura fait du Python toute la soirée ensemble. Bonne fin de soirée à toi aussi, à Haribo. Et toi aussi, Viewer Casu. Ouais, bonne nuit à toutes et à tous. J'espère que ça vous a amusé autant que moi, quand même. C'était assez amusant. Et puis, eh ben, du coup, normalement, comment dire, sauf cas exceptionnel, bah, je ne vous revois pas avant la semaine prochaine. Voili, voilou. Allez, bye bye. Bonne fin de soirée. Ciao.